Yo la team, est-ce qu'on se retrouverait pas pour la partie 2 de l'ouverture Astre Radieux? Désolé. Bah écoutez, le premier tirage n'était vraiment, vraiment pas terrible. On va essayer de se rattraper avec ces 3 tripacks. On croise les doigts. Croix-droit. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. On croise les doigts. Mais avant, jingle. Bang! Et on se retrouve les amis en espérant que je ne vais plus bugger, ça doit être la fatigue, mais vous m'en tiendrez par rigueur, vous connaissez, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu les amis, décidément aujourd'hui c'est pas ma journée, hein. Et lâcher le petit commentaire pour le référencement, vous connaissez, ça fait plaisir. Et on est parti tout de suite pour l'ouverture, allez. Ok, on va commencer donc avec ce petit tripack. Est-ce qu'on va sortir des cartes de Pokémon Go comme c'est déjà arrivé? Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais il y a une personne qui a, en ouvrant du Astre Radieux, a ouvert du Pokémon Go. Donc c'était plutôt très drôle. C'était plutôt très drôle et puis ça a permis de leak un peu quelques cartes. Mais ça vous montre bien aussi que Pokémon est bien en avance et que les séries sont clairement, clairement faites bien en avance. Ok, on est parti avec cet insécateur. Bargantua. Voltorb. Chaglam. Temple de Sinnoh. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière? Bah non. Comme par hasard. Avec ce Régilegi. Qui, pardon. Hippodocus. Masbull. Ferrisson. Ok, un petit starter. Et le petit code. Bon, de toute façon, vous le voyez, vous faites pause, hein, les gars. Si vous voulez, le petit code, vous connaissez. C'est parti. Donc ça, c'est le premier tripack. Premier booster du premier tripack. Les gars, c'est pas fou, fou, fou. Mais bon, allez, une chance de cocu. C'est parti. Simularbre, les amis. Oula, les cartes sont bien, bien courbées. Est-ce que ça voudrait dire quelque chose? Apitrini Tarsal. Je me sens dans une bonne vibe, les gars. Je sais pas vous, mais moi, je suis dans une très bonne vibe. Goupilou. Je rappelle, on veut le Dialga V alternatif que je trouve juste sublimissime. J'arrête pas de dire ce mot, je vais changer. Que je trouve très badass, très complètement cheaté. Ok, Turbo Patience. Oula, 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 c'est une V qu'on a déjà eu 100 fois avec le Archiduc de Hisui V. Ok, bon, ok. Bon, pas terrible, les gars, on va pas se mentir. Oh, Crefadé. Très, très belle, j'adore ce Pokémon. J'adore ces Pokémon. Ok, dernier booster du premier tripack, les amis. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Est-ce que vous pensez la même chose, les gars? Est-ce que vous êtes dans la même optique que moi? Est-ce que vous êtes dans le... dans vous êtes... Là aussi, ça courbe, les gars. J'ai l'impression que ça courbe. J'ai l'impression que les cartes, le grammage a encore changé. Et on le sent, en fait, quand il y a une truc, ça a courbé et ça a courbé. Bon, après, peut-être que je me trompe, hein, mais bon. Je commence à avoir une petite habitude, hein. J'ai ouvert tellement de milliers, de milliers, de milliers de boosters. Allez, Yanma. Pas une V. Oh là là. Oh, une TG. TG. Bon. La deuxième, les gars. La deuxième. Oh que ça, c'est lourd. Oh que ça, c'est lourd. En plus, elle a l'air mieux centrée que l'autre. Oh que c'est... Oula. Oula, non. Oula, non, peut-être pas. Mais ça les gars, c'est très beau. C'est très très beau pour le premier. Mais les gars, ça vient de la même série. Ça veut dire que ça se trouve, les tripacks étaient vraiment les uns à côté des autres. Et j'ai eu donc deux fois cette magnifique Karchakrok. Bah du coup, qui sera en vente sur mon prochain live Beats. Du coup, puisque j'en ai deux. Donc je prendrai... Et les deux sont à peu près pareils, hein, je vais pas vous mentir. Je les étudierai un peu, mais ouais, le cadrage est encore... Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte! Qu'est-ce qu'elle est belle! Deux fois, les gars! Incroyable! Incroyable! Bon, déjà, elle surpasse l'autre ouverture qu'on a eue. Ça, c'est sûr. Allez, on enchaîne. Est-ce que ça voudrait dire que... Allez, on parle. Allez, on tombe le Galga alternative! Ou le Palkia. Allez, le Palkia, il est moins beau, je trouve, mais quand même. Allez, on tombe ça. Vous voyez, je suis même pas fan du genre du Mac Cogneur ou des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment... Enfin, vous me direz, oui, ben, forcément les plus belles, hein. On le sait, on le sait, on le sait. Allez, c'est parti. Oula, je la sens bien, cette ouverture. Je la sens bien, les amis, cette ouverture.
Je la sens bien. Est-ce qu'on va faire tomber encore du hit? Caninos. Petit focus, les amis, avec un petit grelasson. J'ai encore l'impression que c'est courbé, mais ça se trouve, je rêve. Mais pour l'instant, j'ai eu sans faute hein, sur les courbures, les gars. Ouh, Ponita. La tête est un peu mal faite, mais j'adore le décor. Regardez-moi ça. Vraiment, le décor est somptueux derrière, avec le petit côté automne, coucher de soleil. Vraiment pas mal du tout. Ok, Pijako. Ok. Et derrière, nous aurons un Yan Mega. Et je crois que ça brille, les gars. Oh là là. Ah, mais c'est une Vestar. On n'en veut pas des Vestars. Deuxième fois que l'amiral de Isui. Ça aussi, bah, ce sera en vente sur Beats, du coup. Ou sur le site, s'il est arrivé d'ici là. Non, ce qui m'étonnerait quand même, parce qu'il y en a encore même pas mal de mises à jour. Néanmoins, un petit Clamiral que je vais sliver. En tout cas, pour l'instant, je pense que la display n'a pas. La display. Le tri-pack, les tri-packs n'ont pas encore donné toute leur saveur. Je pense qu'il va y avoir encore un truc qui va tomber, les gars, je le sens. Mais V-Star, moi je suis pas fan. Hein. Moi je préfère VMAX que V-Star, les gars. Large. Il y en a plein qui aiment bien V-Star. Très bien, mais moi je préfère largement VMAX. Je préfère vraiment les VMAX. Mais bon, hein, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Hop. Alors, est-ce que celui-ci, j'ai l'impression qu'il courbe. Celui-là, un peu moins, les gars. Petit Evoli, très sympa. Le Scarino aussi, qu'on avait déjà vu. Qui est très, très sympa. Le Démenta aussi. Très, très joli. Vraiment. J'ai l'impression que c'est le même dessinateur que le Ponyta. Je me trompe peut-être, mais ce côté coucher de soleil, là, on dirait qu'il nous a fait un petit Arcette. Ok, oh le Crefadé en reverse, je vais le garder celui-là parce que je trouve le dessin très 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 beau. Et le Registeel, voilà, petit Registeel, les gars, content de revoir ces Pokémon un peu, moi je les aime plutôt bien. Je les aime plutôt bien. Ok, dernier booster de ce tri-pack, les gars. Allez, est-ce qu'on va sortir encore un hit? On a eu quand même Karchakrok V, TG, c'est quand même du bon, c'est quand même de la bonne carte. On est d'accord, c'est de la très bonne carte. Je sais qu'il y en a qui aimeraient avoir ce tirage. Moi aussi, je suis très content. Allez, Tarsal. Goupilou. Goupilou qui est vraiment partout, quoi. On le met à chaque fois. Alors, je sais pas pourquoi je préfère un Togepi largement qu'un Goupilou, les gars, mais bon. Ok, avec le Farfuret de Hisui. Et derrière, je ne pense qu'il n'y a rien du tout. Ce sera qu'un simple Givrali. Ok, bon. Ok les amis, on enchaîne les amis avec le dernier tri-pack, les gars, le dernier tri-pack de cette vidéo. Et je pense que je ne sais pas, peut-être que j'ouvrirai une display, peut-être, c'est pas sûr encore. Peut-être qu'on se fera un live, les gars. On se fera peut-être un live, on verra. Pour l'instant, je ne sais pas parce que. Bah parce que ça coûte cher les ouvertures tout simplement. Serfrousse, je crois qu'il n'y a rien du tout là-dedans. Quillfish, un sécateur. Togepi, ok. Apitrini, fortifiant obscur. Et ce sera qu'un Mamochon. Plutôt badass parce que j'aime beaucoup comment l'effet un petit peu. Oh, Togetic. Oh, Togetic. Il est magnifique ce Togetic. Je vais mettre là. J'aime beaucoup l'illustration. Et un petit Lino. Ok. Allez, deux derniers boosters. Allez, s'il te plaît, fais sortir la Dialga. Alternative V, s'il te plaît, je veux cette carte. Pff, en même temps, c'est comme demander. En bref. On va se calmer. On va y penser très fort, mais je pense pas, les gars. J'adorais ce Hippopotas avec Red qui court derrière. Erisandre, ok, les gars, ok. Ce sera qu'un Mélocric, ok. Et un Nachecator. Comme vous pouvez le voir, sur ce tri-pack, on n'a rien du tout. Et on arrive au dernier booster. Oh, on va pas s'en plaindre. C'est une ouverture correcte, très très correcte. On a eu quand même un très bon hit. On va pas se mentir. On a eu un très bon hit, mais bon, les tri-packs où il n'y a rien, vraiment, ils abusent. Même pas une V, ils abusent grave. Et j'en ai eu plein, les gars. Tac. Out, out.
On enchaîne avec Krizik. Et là, je vois rien du tout. Le Créfollé, le deuxième. Ok. Et ça sera un Fragile la dit de Issui en holographique. Voilà. Bon, écoutez, c'était mieux que la première fois. C'était mieux que la première fois. On va faire un. Mais c'était pas. Vous voyez, les tripacks comme ça, franchement, dépenser autant d'argent pour ça, c'est un peu énervant. Donc en fait, sur tous les tripacks, on a eu ça. Heureusement qu'on a celle-là qui fait le boulot. Hein, qui, elle fait clairement le café, les gars. Ça, c'est. Là, on parle de quelque chose d'insane, là, les gars. En tout cas, voilà, les gars, pour cette ouverture. Je suis bien content. Vous voyez, je l'avais raté la première fois. Je me l'étais ouvert un petit peu en tout seul, comme ça. Et bah, je suis assez content qu'on l'ait découverte ensemble sur cette vidéo. Pensez à vous abonner, les amis. Mangez Pokémon, dormez Pokémon. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et j'allais dire jingle. Non, big up!